Dans cette quatrième vidéo concernant After Effects CC, nous allons voir comment masquer un élément. Alors moi je vais essayer de masquer le fond vert, puisque je ne veux pas qu'il s'applique à toute la vidéo, à toute la surface de la vidéo, mais simplement dans un cercle qui prendrait, entourerait un peu mon logo. Donc pour créer un masque, on a plusieurs solutions, mais déjà il faut sélectionner le calque qu'on veut masquer. Donc moi c'est ce calque là, le calque solide. Et je ne veux garder qu'une partie de ce calque. On a plusieurs outils pour masquer, donc ce sont les outils formes. Donc soit vous prenez un outil d'une forme particulière, si je veux faire une étoile, je peux très bien utiliser l'outil étoile, et vous allez voir que donc ça va masquer la forme de cette étoile. Cette étoile que je peux ensuite déplacer et placer à l'endroit où je veux. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc ce masque-là ne m'intéresse pas, je le sélectionne et je supprime. Je voudrais un cercle. Là, je peux vous montrer aussi l'outil plume. Donc l'outil plume, si vous avez des tracés un peu complexes, vous pouvez très bien utiliser l'outil plume qui va vous permettre voilà, d'avoir des formes plus ou moins complexes. Le masque ne va s'appliquer qu'une fois que vous aurez fermé la forme. Mais ensuite, avec l'outil flèche, vous allez bien sûr pouvoir modifier cette forme, transformer ses points, transformer ses vecteurs, etc. etc. C'est pas une forme de tâche que je veux non plus, donc je sélectionne mon masque et je l'efface. Moi, ce que je veux faire, c'est donc un cercle. Je vais prendre l'outil ellipse, j'appuie sur Shift pour que ça me fasse un beau cercle, et voilà. Donc ce cercle, je veux le positionner pour qu'il soit, qu'il soit autour de mon logo. Donc, je vais le positionner à l'œil pour qu'il prenne l'entièreté de mon logo. Je vais pouvoir zoomer bien sûr dessus pour le positionner un peu mieux, pour le réduire un petit peu, donc j'appuie sur Shift et je peux me permettre de le déplacer soit verticalement soit horizontalement. Voilà. Une fois qu'il est positionné comme je le souhaite, je vais reprendre 50% pour avoir toute la prévisualisation. On va voir que dans mon calque citron, donc mon calque uni, j'ai un masque et que ce masque qui est là, on peut lui changer encore pas mal d'éléments. Moi, j'aimerais bien que ce masque qui est maintenant appliqué sur toute la vidéo soit pas présent au début, mais apparaisse une fois que le logo est arrivé. Donc, il va falloir que je change 2-3 petites choses, 2-3 petits paramètres pour ce masque. Donc, le masque ici que j'ai sélectionné, au début de ma vidéo, je vais lui dire que il a une expansion qui est de 100 pixels, voire même plus. Donc j'augmente l'expansion pour que mon masque soit beaucoup plus grand que mon écran. Donc il ne va plus masquer du tout sa forme. Et à 100 images, une fois que mon logo est apparu, je vais lui dire de reprendre 0 pixel d'expansion. Et une animation va être créée pour amener mon masque à la forme souhaitée et au moment souhaité. Là encore, on peut bien sûr modifier la vélocité, enfin les images clés. On va lisser la vitesse pour que ce soit un petit peu plus doux au niveau de l'apparition. Voilà. Donc mon masque apparaît en même temps que mon logo et est positionné de manière centrée. On va prévisualiser tout ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Encore une. Voilà. Donc si on se rend compte que il y a un problème de positionnement au niveau du masque, on peut très bien faire en sorte de le déplacer. Pour ce faire, on va prendre la flèche, l'outil flèche, sélectionner un point, sélectionner le masque en entier, donc juste le masque, et avec les flèches, pouvoir le déplacer, histoire de le centrer davantage. Voilà. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà.
Donc là, nous avons vu comment masquer un élément. Alors, ces masques peuvent avoir des formes très simples, comme les éléments qui sont mis à votre disposition. Vous pouvez en créer des plus complexes avec, à l'aide de l'outil plume. Vous pouvez même importer des images vectorielles qui vous permettront d'avoir des choses encore plus travaillées. Dans un prochain tutoriel, nous verrons comment appliquer des effets sur le texte, comment animer du texte.